Bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Un peu de Japon dans le Jura. Donc voilà, j'ai pas bougé depuis la dernière fois. Je suis toujours dans mon petit coin en bas du terrain. C'est un endroit qui est au frais, il fait assez chaud. Donc là, cet endroit est super pendant l'été. Donc on est toujours sur mon terrain, on est toujours sur l'avancée de la maison. Et là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Comme vous avez vu la dernière fois les pierres, là on va se concentrer un petit peu sur le reste. Peut-être que cette vidéo va être un peu plus longue. J'ai pelleté donc le ballast à l'intérieur de la muraillère que j'ai mis en place. Alors la maçonnerie est un peu légère, comme vous le constaterez, mais c'est de toute façon pas vraiment porteur, puisque les points d'appui essentiels de la sablière qui va être mise sur la maçonnerie porte au niveau des angles. Donc bon, il n'est pas capital de faire une maçonnerie énormissime. En plus de ça, on est excusez-moi, j'avais une tique là. En plus de ça, on est sur quelque chose qui a une descente de charge qui est très très légère, puisque on a globalement qu'un toit pour recouvrir l'ensemble, et puis des murs enduits à la chaux, chaux-chambre. Voilà. Je vous montre donc là en ce moment tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Il nous reste à tirer les conduites et à finir la maçonnerie, à la mettre bien d'équerre et bien de niveau. Et puis après, il va falloir tirer la dalle et poser 2-3 petites surprises, vous allez voir. Alors l'idée, c'est de faire quand même quelque chose qui soit vraiment bien isolé. Et qui va permettre d'avoir toujours au moins 10 degrés dedans. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de lumière qui rentre dedans, parce qu'on va avoir les légumes dedans, et ça évitera aussi que ça monte en température. Donc je vais essayer de faire un environnement qui, bien sûr, je ne peux pas faire une cave, mais je vais essayer quand même qu'il y ait un peu de cette idée-là dans le bazar. Alors, donc dans cette troisième vidéo, on va juste voir un petit peu ma pomme peler les ballasts de chemin de fer, le ballast usagé de chemin de fer qu'on m'a offert. Et puis ensuite, vous allez pouvoir voir un petit peu comment j'ai positionné mes tuyaux et un petit peu le côté technique. Des gaines et tuyaux de cette zone là. Alors c'est pas bien compliqué en fait. Dans cette zone là, je vais également mettre une partie de la plomberie qui va être la pompe de surpression, parce que plus elle est proche de la source de pompage, mieux c'est, parce qu'elle a une capacité de relevage d'un mètre, et le mieux c'est qu'elle soit le plus proche de la source possible. Donc là on a une différence de hauteur qui va être de 40 cm, et on a une longueur à parcourir qui est de un peu moins de 4 mètres. Donc voilà, donc je pense que ça suffira pour amorcer. Et ensuite, cette pompe-là, elle va mettre en pression la maison. Donc c'est une pompe qui délivre 28 litres minutes à 3 bars. Donc elle envoie. C'est une petite pompe 24 volts qui normalement est faite pour les bateaux. C'est de la marque Marco d'ailleurs, pour ceux qui cherchent des pompes de qualité. Chez eux, elles sont absolument extra. Et il y a un premier étage de filtration et également un ballon de 30 litres à membrane pour éviter que la pompe s'amorce et se désamorce tout le temps. Donc toute cette tout ça va se trouver juste ici. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà quelques éléments techniques, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée de l'eau et le départ de l'eau. Et puis j'ai également décidé de profiter de cette avancée là pour peut-être un peu plus tempérer l'air qui va rentrer dans la maison, en faisant passer la gaine ici. Alors on est loin d'être dans un système de puits canadien, parce qu'il n'y a absolument pas la distance de 10 mètres conseillée, et on n'est pas du tout enfoui dans le sol à 1 mètre de profondeur. Mais quand même, malgré tout, on a un petit peu de distance, et puis on sera à côté des cuves, donc, et sous la maison. Donc c'est une zone qui est aussi
qui sera un milieu un peu tempéré par rapport à l'extérieur. Quand il va faire vraiment froid, c'est une zone qui est protégée du vent. Donc voilà. Donc ça permettra d'avoir un tirage peut-être plus homogène au long de l'année. Ça évitera aussi d'avoir ce sentiment de courant d'air que les poils peuvent faire dans une maison bien isolée. C'est aussi un élément de sécurité. Donc voilà, donc j'ai décidé de le mettre. J'avais une gaine inox qui a été récupérée sur un autre chantier. Autant l'utiliser. De toute façon, je vais absolument pas mettre ce genre de fumisterie sur mon poêle. Donc voilà, c'est le moyen aussi de l'utiliser. Alors encore une petite étape de franchie. Là, désormais, on va avoir quelques tuyaux qui ont été mis en place. J'ai rempli à nouveau un peu plus le bac de gravier, enfin de ballast. Là, pour ceux qui sont un peu curieux, donc je vous dire un petit peu ce qui se passe. On est bon alors bien sûr c'est absolument pas mis correctement sous la maison. Sous la maison là on voit qu'il y a, il y a une gaine rouge qui part, il y a la petite gaine bleue là, et puis on a le tube inox là. Le tube inox il va être pour la cuisinière à bois. Il va permettre d'avoir une entrée d'air pour le poêle, histoire qu'il n'y ait pas un phénomène d'aspiration à l'intérieur de la maison. C'est assez inconfortable, surtout quand on isole beaucoup la maison. Pour les vieilles maisons qui ont des trous de partout, on s'en fout que le poêle ait sa propre arrivée d'air. Dans une construction neuve, c'est vrai que c'est bien de faire ça. Voilà, un tube inox de récup. Et puis c'est parti. Bien sûr, il y a une pente continue vers l'extérieur pour toute la condensation qu'il puisse y avoir dedans retombe à l'extérieur. Je vais mettre également une grille pour éviter que les rongeurs viennent dedans, etc. La gaine rouge, c'est pour faire passer les différentes sondes pour les cuves, à savoir quel niveau d'eau il reste et tout ça. On va avoir la gaine bleue qui en fait va être à l'intérieur de la baraque, va être là où je suis actuellement, donc à l'intérieur de cet espace-là. Il va y avoir donc la gaine bleue qui va sortir. En fait, c'est pas du tout de l'eau. On est sur un. Ah, bien super, ça s'est pris. C'est pas du tout de l'eau. En fait, j'ai utilisé cette gaine pour. Avec le tuyau en PER d'ailleurs dedans que j'utiliserai pas, pour protéger le câble souple. C'est un câble en 2,5. Il y en a seulement deux. Hein, c'est un 2 x 2,5. La terre sera prise directement ici. En fait, ça c'est le câble d'alimentation de la pompe. De la pompe de surpression de la maison, parce qu'en fait, au niveau de cette zone-là, on va avoir la pompe, un premier étage de filtration, et puis l'eau va partir ensuite dans la maison. Donc, le premier tuyau, c'est le gros tuyau qu'on voit là. Attendez, hop, hop. Donc, le premier tuyau, celui de l'arrivée de flotte, c'est celui-là. C'est un tuyau mastoc, hein. C'est vraiment pas du genre à se péter. Je vous en montre un exemple là. Si la mise au point veut bien faire. Voilà, on est sur un gros diamètre. C'est super dur. Donc pour faire venir la flotte. Donc pourquoi je l'ai fait aller jusque là-bas? Tout simplement parce qu'il y a une cuve qui est juste devant là et puis il y en a une autre qui est vraiment vers le fond. Donc tout se situera là-dessous. La cuve du fond est légèrement plus basse que celle-là. Il va falloir que je fasse un pont entre les deux et que je tire la flotte à partir de ce point et pas à partir de la cuve qui est la plus proche. Le tuyau d'eau sortant, c'est celui-là qui va jusque dans la cuisine, hein.
Donc si on le suit, hop, et puis il ressort juste là. Donc voilà pour ce qui a été mis en place. Maintenant il va rester à faire la dalle. Avant ça il faut poser les pièces de bois qui vont servir de sablière. Donc bon bah on se retrouvera dans une prochaine vidéo parce que là je vais pas tout mettre sur cette vidéo. Pour la suite, là vous avez déjà un point de vue global des avancements. Bon alors voilà, il fallait partir sur cette partie de la construction parce que je voulais pouvoir stocker en fait pas mal de matos sur le terrain pour pouvoir venir ici en vélo plutôt que de trimballer le camion avec tout l'outillage comme je fais depuis le début de la construction. Donc j'ai décidé de mettre en place l'avancée de la cuisine qui est une réserve. Pour ce faire, il a fallu que je relève le terrain au niveau zéro qui est de la maison, qui est le niveau du sol de la cuisine. La maison, c'est une maison sur pilotis. Les espaces ne sont pas tous au même niveau du tout. Par exemple, rien qu'au rez-de-chaussée, on a la cuisine qui est, on va dire, le niveau zéro. Et puis, 30 cm au-dessus, il va y avoir le salon. Comme dans une maison traditionnelle japonaise. Alors, je vais vous montrer quelques images de maisons, enfin de fermes japonaises qu'on appelle les minga. Donc les minga ou minga, le ka n'est pas expressément prononcé apparemment. Je ne sais pas trop comment on prononce en fait, hein, tout simplement, mais je crois que c'est ça, c'est minga. Oui, donc dans les minka japonaises, donc les fermes si vous préférez, on peut voir très clairement que l'entrée, le sol en terre battue qui est à l'entrée, est en dessous du plancher qui est la partie un peu plus privée de la maison. C'est aussi d'un point de vue purement pratique, un moyen assez sûr pour ne pas salir le plancher avec les allées et venues au niveau de la cuisine. Qu'on a décidé de mettre en place ça. Et puis, il fallait que ce soit au niveau zéro du terrain, parce que comme on a un poêle, une cuisinière à bois dans la cuisine, il va falloir pouvoir emmener du combustible dans la cuisine via une brouette ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, c'était aussi pour simplifier la tâche qu'on n'a pas effectué, on n'a pas fait de marche pour rentrer dans la maison. Au début, il a fallu décider un petit peu quelle allait être l'ampleur de l'accès et quel style on allait mettre en place, parce que là, on est déjà sur une sorte de finition du terrain alors qu'on n'a pas terminé la maison. Bon alors, c'était un petit peu décousu hein, la présentation de ça. J'espère que vous avez suivi. C'est vrai que les vidéos ont été tournées pendant pas mal de jours parce qu'en fait chaque jour pendant 4-5 heures je venais bosser, je pouvais pas vraiment bosser plus malheureusement parce qu'il fallait à chaque fois que j'aille chercher l'eau etc etc. Il en reste que je pense qu'on a un peu une vue d'ensemble de ce qui s'est déroulé. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Là, j'attends un petit peu avant de donner la suite des vidéos pour pouvoir éventuellement réajuster les prochaines vidéos selon vos commentaires voilà. Enfin, si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses avec un peu plus de précision, si vous voulez que je parle un peu plus précisément de certains points, n'hésitez pas à me le dire là tout de suite, au moins comme ça je pourrai aller traiter ça dans les prochaines vidéos.